Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Le livre Luna, utilisez la puissance de la lune pour vivre votre meilleure vie de Tamara Drisson qui vient tout juste de sortir chez Alliance Magique. Quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite et j'ai passé commande parce qu'il me faisait trop envie. Parce que bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore la lune, c'est, je sais pas, elle me fascine. J'adore travailler en fonction des cycles de la lune, etc., etc. La regarder quand dans le ciel le soir, etc. Et quand j'ai vu que ce livre était sorti, il est super chouette. Voilà. En plus, il est même conseillé pour les débutants. Donc, si vous avez peur de ne pas vous en sortir, etc., sachez qu'il est fait pour les débutants aussi. Voilà. Donc, déjà, il est magnifique. Hein. Il arrive avec une magnifique, une vraie couverture en carton, en dur. J'adore l'illustration ici. Ça fait un peu avec les différentes couleurs, comme ça ici aussi, vous voyez le nom, c'est aussi avec des différentes couleurs, c'est super joli. Là aussi d'ailleurs, c'est écrit en plusieurs couleurs. La tranche aussi est en plusieurs couleurs, il est comme ça. Je vais mettre pause une minute parce que ça les me chante pour aller dehors et je reviens aussi vite. Me revoilà, donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Donc Luna, utilisez la puissance de la lune pour vivre votre meilleure vie. Accédez à votre plus haut potentiel. Si vous tenez ce livre entre les mains, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin au pouvoir de guérison et de transformation de la lune. Vous vous êtes bien rendu compte que ces cycles influaient sur votre humeur, votre sommeil ou votre énergie. Mais savez-vous que ce précieux astre peut également vous aider à révéler la magie qui sommeille en vous? Ce livre n'explore pas une tendance, mais un véritable mode de vie. En vous alignant sur les phases lunaires et en développant une connexion plus profonde avec la lune, grâce à des rituels et des méditations, vous gagnerez en équilibre et maîtriserez l'art de prendre soin de vous. Transformez les défis en opportunités, définissez vos intentions et éveillez votre intuition pour vous sentir plus en confiance avec vos décisions. Suivez la lune et partez enfin à la rencontre de vous-même. Voilà, voilà. Donc, à propos de l'auteur, Tamara Drisson est lithothérapeute, maître Reiki et conseillère en tarot. Passionnée, elle insuffle la sagesse mystique de la vie quotidienne. Elle organise régulièrement des cérémonies lunaires et des ateliers de guérison par les cristaux au Royaume-Uni et ailleurs. Et il est au prix de 22 euros. Voilà. Vous allez vous dire, 22 euros, c'est peut-être cher, mais non, parce que sincèrement, c'est un gros bébé de plus de 400 pages. Voilà, et il est très joli. Donc, on va le découvrir ensemble. Déjà, j'adore, hein, sur du papier noir. Bon, tout n'est pas sur du noir, mais une bonne partie. Cette lune ici, avec des couleurs comme ça, c'est super joli. Ici, on reprend le logo de la couverture. J'espère que ça ne va pas trop briller, par contre, avec la lampe. Ici, on a, comme toujours, les coordonnées d'Alliance Magique. Voilà. Et il y a des magnifiques, regardez comme c'est joli, les illustrations ici avec les phases de la lune. On a le sommaire, forcément, avec une introduction, comment utiliser ce livre, la boîte à outils, un espace sacré, sorcière des temps modernes, le coven, les cycles lunaires, les signes lunaires, votre signe lunaire, à l'écoute de votre intuition, votre cycle à vous, des rituels quotidiens, tenir un journal pour vider votre sac, la gratitude à un état d'esprit, une bonne hygiène vibratoire, soyez votre propre oracle, affirmer ses intentions avec la lune, un bain de lune, la déesse et les dieux de la lune, les rituels de la lune, méditation lunaire, conclusion et glossaire. Et vous voyez ici les numéros de page sont aussi de différentes couleurs. C'est super beau. Et ici, les liserés sur les côtés aussi sont de différentes couleurs. Moi, j'aime bien. Alors, une introduction. Ici, elle vous explique un petit peu son parcours. Hein. Voilà pourquoi qu'elle a fait un rituel avec une de ses amies où elle a, pendant les phases de la lune, où elle a demandé tout ce qu'elle voulait qu'il disparaisse de sa vie. Et elle explique ce qu'elle a demandé et que tous ses vœux, entre guillemets, se sont exaucés. Cette illustration ici est magnifique, regardez.
Je la trouve magnifique. Voilà. Bon, donc du coup, je ne vais pas vous lire toute l'introduction parce qu'elle est assez longue. Et celle-ci aussi est très jolie. Voilà. Elle vous explique un petit peu hein, le parcours, etc. Regardez comme c'est beau. Elles sont vraiment jolies. Comment utiliser ce livre? Voilà. Elle vous explique hein, que peut-être vous le lirez du début à la fin, ou vous voudrez par exemple en savoir plus sur votre signe lunaire, enfin, ou vous allez peut-être aller piocher dans les chapitres, etc. Que vous vous reconnaîtrez sûrement dans certains de ces passages, etc. Voilà. Le journal lunaire. Ce livre est une introduction à la lune et à ses cycles, ainsi qu'à l'astrologie. Ces indications seront votre premier guide dans le monde lunaire, mais je vous encourage à tenir votre propre journal lunaire pour découvrir les effets de la lune sur vous. Voilà, bon, ça, elle vous l'explique du coup. La boîte à outils, un journal intime et cristaux et pierres. Voilà. Donc, elle vous dit un journal intime, un carnet dédié à vos émotions et dans lequel vous enregistrez des informations sur la lune ainsi que vos révélations ou découvertes. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, vous savez, les trackers, comme dans le journal de pratique, où on en trouve partout ces roues, où vous pouvez bah, noter les jours, noter votre humeur tous les jours et marquer au-dessus, par exemple, le cycle de la Lune, si vous êtes en période de règles, etc., la période de votre cycle. Et c'est incroyable de voir comme bah, les humeurs peuvent coller avec le cycle de la Lune, par exemple. Qu'on peut être de mauvais poil quand c'est la pleine lune, par exemple. Enfin, des petits trucs comme ça, mais c'est vraiment, c'est instructif à faire. Et bon, c'est vraiment en le faisant sur un mois qu'on voit à la fin du mois, ben, du coup, les résultats. Voilà, c'est intéressant à faire. Alors, les cristaux et les pierres, véritables ancres spirituelles, ils vous aident à concentrer sur vos intentions, apportent soutien, protection lorsque c'est nécessaire. Bon, moi, j'adore les cristaux, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, elle va nous parler bah, un petit peu des cristaux et des pierres. Voilà. Des huiles essentielles. Ici, c'est comment les purifier, je dirais, hein, parce que je vois du sel. Comment les recharger, comment les purifier. Un petit mot là-dessus. Un espace sacré. Voilà. Par exemple, votre hôtel, hein, votre chambre, ou enfin, l'espace où vous vous sentez bien, en fait. Voilà. Prenez du temps pour vous. Sorcière des temps modernes. Voilà, elle vous explique un petit peu hein, ce que c'est du coup la sorcière des temps modernes. Le coven, là c'est quand les sorcières se regroupent. Hein. Bon, moi je ne fais pas partie du tout d'un coven, j'aime bien faire ma popote seule chez moi, c'est pas du tout mon truc, mais il y en a qui... Bon, et en plus chez moi, franchement, j'ai jamais entendu parler de coven dans le coin, mais bon, voilà, sachez que ça existe hein, pour ceux qui aime pratiquer en groupe, donc rejoindre un coven. Les covens en ligne, oui, ben voilà, peut-être ça me conviendrait mieux à moi. Et ensuite, on va partir ben, dans l'explication des cycles lunaires. Voilà, avec toutes les phases, ici, des informations essentielles. Voilà, par exemple, le cycle lunaire comprend 8 phases. Nouvelle lune, premier croissant, mais ça, on va le voir ici. Hein. Voilà. La nouvelle lune, et je trouve ça super joli sur ce papier noir avec ce fond. Je sais pas comment on peut. Ça me fait penser, vous savez, aux cartes à gratter, là où il y a des couleurs en dessous. Mais j'adore ces couleurs. Donc, on a la nouvelle lune. On a ben, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on peut faire, travailler à la nouvelle lune. Par exemple, nouveau départ, affirmer ses intentions, commencer un projet. On a tous déjà entendu parler, hein. À la nouvelle lune, qu'on écrit ses intentions, etc. Et ici, ben, ça vous explique ben, déjà qu'est-ce que c'est la nouvelle lune, la première phase du cycle lunaire, etc. Et un petit mot sur l'astrologie. Du coup, vous avez ça pour toutes les phases, un premier croissant, premier quartier, la gibbeuse, la pleine lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier quartier croissant, je vais y arriver. On nous parle des éclipses solaires aussi. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'on entend parler d'éclipses, éclipses lunaires, super lune. On en a entendu parler plusieurs fois cette année aussi. La lune bleue aussi, la lune noire, sous des termes qu'on entend et on ne sait pas toujours ce que c'est. Les noms de la lune, voilà. Et ici vous avez un tableau
un double tableau avec les différents noms qu'on donne à la lune dans de différentes cultures, hein, en anglais, chez les Celtes, les Wiccans, la langue algonienne, les Chinois. Par exemple, ici, on est en septembre, ce sera la lune des fruits, la lune des champs, des herbes chez les Wiccans, des moissons chez les Algoniens et des chrysanthèmes chez les Chinois. Voilà, c'est toujours bien de le savoir. Je vais le mettre comme ça brille moins du coup. Du coup, on va parler aussi des signes lunaires. Voilà, on a les signes solaires, hein, ça, presque tout le monde connaît son signe solaire, hein, le signe astrologique, hein. Mais on a aussi les signes lunaires et ça, si vous voulez le savoir, ça, en fait, le signe lunaire, c'est la position qu'avait la Lune, quand vous êtes né. Voilà. Et ça, pour le savoir, il faut aller sur les thèmes astrales. Il y en a plein en ligne où on peut calculer ça et où on peut savoir à telle date, à telle heure, dans quel signe était la Lune. Voilà. Signe des nouvelles et pleines lunes. Moi, je sais, par exemple, que j'ai mon signe solaire en Vierge. Je suis ascendant Bélier. Et ma lune était en Sagittaire quand je suis née. Voilà. Je le sais depuis quelques années, ça pas plus, hein. Alors, pour résumer, voilà, à chaque nouvelle lune correspond une nouvelle saison zodiacale. Oui, vous avez sûrement d'ailleurs déjà entendu ça. Ici, le 25 d'ailleurs, septembre, ce sera la nouvelle lune en Balance. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein. Je ne sais plus si c'était la nouvelle ou la pleine lune, il semble la nouvelle lune. Si je dis des bêtises, pardonnez-moi. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais en balance, ça, je suis sûre. Voilà. Comment utiliser ce chapitre? Du coup, ici, on a les petits symboles, hein, cristaux et pierres recommandées, planètes associées au signe du zodiaque et éléments associés à la lune. Et alors, du coup, on a toutes les signes. Et regardez comme c'est joli. Par exemple, la lune en bélier. Et alors là, on a nouvelle lune, pleine lune en bélier. On a les petits mots qui correspondent. Hein. Il y a eu un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'écran. Soit. Je ne sais pas ce qui s'est... J'ai vu que l'image s'était arrêtée. Bon, je continue. Donc la nouvelle lune, ici les petits mots clés. Compléter cette phrase. Par exemple, si j'avais tout le soutien nécessaire, je. Du coup, qu'est-ce qu'on fait enfin, à quoi ça correspond? Et ici, du coup, la pierre, l'élément et la planète. Et du coup, vous avez ça à chaque fois, hein, pour tous les signes du zodiaque, la lune et la pleine lune. Voilà, la lune en vierge, en balance. Et j'adore les signes astrologiques comme ça, ils sont super jolis. Bon, ici, je passe un peu plus vite, du coup, hein. Du coup, c'est vraiment. Et ça, j'adore parce que je me dis chaque mois, on peut aller voir la nouvelle lune et la pleine lune, justement, qui correspondent dans le signe astrologique, quoi. Si vous, par exemple, maintenant, on vous dit c'est la nouvelle lune en balance, vous ne savez pas du tout à quoi ça sert, enfin, à quoi ça correspond, vous pouvez aller dans le livre, du coup, et aller jeter un œil, et comme ça, vous avez une petite idée, vous savez quelle pierre prendre, etc. Et ça, c'est super chouette. Bon, on va y arriver, hein. On va passer tous les signes astrologiques. Voilà. Puis on arrive à votre signe lunaire. Au-delà du signe solaire, bon, ici ça vous explique ce que je vous ai dit, que vous pouvez calculer votre thème astral pour savoir en quoi était votre lune quand vous êtes né. Comment comprendre votre signe lunaire? Moi, j'ai compris beaucoup de choses quand j'étais voir à quoi correspondait la lune, par exemple, en Sagittaire, parce que je me reconnaissais absolument pas trop dans le signe de la Vierge pour certaines choses, oui, mais en voyant que j'avais l'ascendant Bélier et la lune en Sagittaire et en voyant les caractéristiques, j'ai compris plein de choses et je me suis dit, oui, ça me correspond plus. Voilà. Et bon, voilà. Par exemple, si vous avez votre lune en Vierge, voilà, elle va vous dire vous aimez, vous n'aimez pas, ce qui vous fait du bien, ce qui est bien pour vous détendre, etc. Je vais le poser 2 petites secondes. Voilà, donc là, vous avez tous les signes, hein, à l'écoute de votre intuition. Ici, elle vous explique que la lune est liée à l'instinct, aux émotions, etc., au magnétisme, à notre subconscient, notre réceptivité, etc. La carte de la grande prêtresse. Et ici, elle vous explique un peu à quoi, qu'est-ce que c'est l'intuition. Il est vraiment, vraiment bien fait.
les six sens parapsychiques ici. Je sais plus comment le mettre pour la lumière, comme ça, voilà. Et elle vous explique, hein, la claire audience, la claire connaissance, la claire alliance, claire gustance, etc. Je vais y arriver. Rendez-vous avec votre ego. Rendez-vous avec votre moi supérieur. Il est vraiment très très beau et très bien fait. Distinguer une intuition positive d'une intuition négative. Votre cycle à vous. Voilà. Ici, on va parler évidemment du cycle menstruel, hein, pour les femmes, pour le féminin, j'allais dire. Voilà, et ça peut aussi correspondre avec les phases de la lune. Voilà, les pages suivantes vous présenteront chaque phase lunaire et leur miroir menstruel. Voilà, les menstruations, la phase ovulatoire, et alors on vous dit à quoi ça correspond, et elle correspond à la phase lunaire de la lune croissante, par exemple. La phase ovulatoire correspond à la pleine lune, et on vous parle de l'humeur aussi. Se familiariser avec son cycle, voilà, être en harmonie avec son cycle, prendre soin de soi enfin. Regardez comme c'est joli les illustrations. Cinq façons de prendre soin de soi, et entre parenthèses, il est marqué sans dépenser d'argent. Et ici, vous avez mot magique, la joie de ne pas participer, demander de l'aide, compassion. Regardez comme c'est joli avec ce chat noir. Des rituels quotidiens. Ici, on va vous proposer du coup des rituels. Méditation, préméditer. Regardez comme c'est joli ici aussi. Bénéfice de la méditation. Ben, qu'est-ce que la méditation peut vous apporter comme bénéfice, hein? Les types de méditation. Ici, on vous en donne plusieurs, de pleine conscience, active, etc. J'adore les illustrations de ce livre. Tenir un journal, vider votre sac, ben là, c'est l'idée de un peu de noter tout ce qui vous passe par la tête par rapport aux phases de la lune, un peu comme le tracker que je vous expliquais, hein, à vos stylos d'écrire, par exemple, vos rêves, etc. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête. La gratitude, un état d'esprit, ben, les bénéfices de pratiquer la gratitude, un peu d'espoir, l'art de l'attraction. La gratitude en pratique, c'est quoi, du coup? Regardez comme c'est beau. Une bonne hygiène vibratoire, la cérémonie de la fumée, le pouvoir des plantes, ici on vous en propose plusieurs, hein. Voilà, ici encore, par exemple la sauge, réaliser une purification par la fumée, on vous explique comment faire, la fumigation durable, purification d'un espace, bain au sel, ça, par exemple avec le sel d'Epsom, hein. On dit de prendre un bain avec le sel d'Epsom. Ouais, voilà, on en parle ici, le sel d'Epsom ou de la mer morte ou de l'Himalaya, c'est vrai. On vous donne la marche à suivre. Soyez votre propre oracle. Ici, on parle un petit peu du tarot, hein, notre grand chouchou. Qu'est-ce qu'un oracle? Quel jeu choisir? Comment tirer un tarot des cartes oracles? Des idées de questions à poser si vous ne savez pas trop quoi demander. À quel rythme tirer les cartes, les phases lunaires et tirages divinatoires, comment tirer les cartes. Et là, on vous propose des tirages en fonction des phases de la lune, par exemple, nouvelle lune, la croissante, pleine lune. Et je vais y arriver. Youp! La lune décroissante et le dernier croissant. Affirmer ses intentions avec la lune. Voilà, ici, on va vous expliquer aussi la marche à suivre, comment manifester une intention. Alors, les étapes, posez vos intentions. La première étape, oui, c'est bien expliqué. Hein. Youp, vous voyez, il y a beaucoup de textes. En deux, identifier et dépasser vos croyances limitantes. Regardez comme c'est beau ça, le chat. Un petit mot, commençant par P en étape 3, aligner vos énergies en étape 4. Donc, c'est bien expliqué. On va nous parler de playlist, de cristaux, être présent dans son corps, la gratitude.
en étape 5, aller de l'avant. C'est du papier bien épais, hein, vous voyez, glacé bien épais. En étape 6, le lâcher prise. Alors, on va vous expliquer comment prendre un bain de lune. Voilà, profiter des rayons lunaires au lieu du soleil. Recette pour un bain de lune réussi. Un bain de lune, méditation guidée. Vous voyez, on vous propose plein de choses. J'adore aussi celle-ci. Créer votre propre cérémonie lunaire. La préparation, la cérémonie, ouverture, méditation, tirage de tarot. Donc, c'est bien expliqué. Le rituel, tenir votre journal et la fin. Ensuite, on vous parle des dieux et des déesses hein, qui sont liés à la lune. Voilà, ici Artemis, Kéridouen, Chandra, Diane, Hécate, Isis, etc. Hein, il y en a beaucoup, hein, du coup, Luna. Et on vous dit de quelle culture elle vient. Par exemple, ici chinoise, ici romaine. Voilà. On vous dit comment les invoquer, comment vous connecter avec elles. Puis après, on passe au rituel de la lune. Par où commencer? La nouvelle lune, voilà. Donc ici, elle va nous dire toutes les bonnes choses en perspective, ce qu'on peut faire à la nouvelle lune. Par exemple, rituel des sigils, et elle vous explique un pas à pas. Voilà, tableau de visualisation, comment le réaliser, par exemple, sur Pinterest. Comment faire un hôtel de lune. Voilà, et ça pour toutes les phases du coup de la lune. On a la même chose, voilà. Par exemple la pleine lune. Voilà, on va vous expliquer ce qu'on peut faire à la pleine lune. Hop, par exemple, ici aussi, lune décroissante. Et j'adore les images sur le côté, pareil. Hein. Hop, jusqu'à la fin du coup, où on arrive à la conclusion. Voilà, une petite conclusion. Regardez comme c'est joli les images. Un glossaire avec quelques définitions. Hein. Si vous ne savez pas, par exemple, ce que c'est un équinoxe, ben, on vous l'explique, etc. Il est vraiment, vraiment, vraiment chouette ce livre. Si on l'a aimé, ben, les crédits photos aussi, évidemment. Ouvrage du même éditeur, Le Yoga Magique, je vous l'ai déjà présenté. C'est un livre que j'adore. Grimoire, Vierge, Pentacle, Lunaire. J'en ai un, le mauve, ils sont super top. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des nouveaux qui vont bientôt sortir. Le Lunacal, ce petit calendrier lunaire, pas plus grand qu'une carte de crédit que moi j'ai et j'adore. Il est tout petit, il se glisse partout. Et voilà, voilà, voilà pour la présentation de ce beau bébé. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Il est vraiment chouette, il propose plein de trucs. Si vous aimez la lune, si vous êtes fasciné par la lune, si vous avez envie d'en apprendre plus, de mieux savoir comment travailler avec la lune, quoi faire, à quelle phase de la lune, les tirages par les phases de la lune, les rituels, etc. Franchement, il est très très bien fait, en plus d'être très très beau. Voilà. Moi, je suis très très contente d'avoir craqué. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous fait envie. Je sais qu'il y avait une personne qui m'avait déjà demandé si j'allais le présenter en vidéo hein, sur Instagram. Et j'avais dit que je l'avais juste reçu et que j'allais la poster. Donc voilà. Et dites-moi aussi si la lune est un astre qui vous fascine, hein, si vous aussi vous aimez travailler avec la lune, etc. Comme ça, on partage tout ça dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!